Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans un Primark. Je vais juste recliner ma chaise quand je vais voir ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit mon anecdote, pour ceux qui ont suivi mon vlog une journée avec moi, je n'ai plus du tout de jean. Du coup, je me suis pris ce jean. Et sur les côtés, c'est un peu comme ça. J'espère juste que ça va m'aller. Parce qu'en fait, je suis petite. Et pour les petites qu'il faut 1m60, ça prend jusqu'à terre. J'espère juste que ça va faire ça. Donc, il est déchiré. Et c'est un jean taille haute. Je l'ai payé 19 euros. Et j'ai pris la taille 42. Ah, Primark. Trop la couleur. Je suis juste un tout petit peu dessus de la matière. Je voulais la matière, elle est comme l'autre. Donc ensuite, j'ai pris un jean comme ça. Normal, pas déchiré. Juste déchiré sur les côtés un peu là. Genre sur la fente en bas. Je voulais en fait la matière de l'autre jean que je vous ai montré. Un peu comme ça. Sauf que la matière, j'aime pas trop. Je sais pas comment décrire la matière. Du coup, j'ai pris la taille 42 et je l'ai payé 19 euros. Ensuite, désolée si je me baisse pour prendre les articles. Alors, j'ai pris des shorts comme ça, en taille M, 40, 42. Et ils étaient à 3 euros. J'ai pris un gris et un noir. De toute façon, vous verrez porter peut-être. Donc, le noir, il est assez bien. J'aime bien la matière parce que j'ai rien à dire. J'avais déjà acheté des shorts comme ça l'année dernière. Du coup, la taille c'est 40-42. Désolée si je vous répète parce que parfois on m'entend pas quand je vous dis. Ensuite, j'ai pris un gris comme ça. Donc, je les ai payés les deux 3 euros. Donc, ça va pour le prix. C'est pas si cher chez d'autres magasins. C'est 6 euros, 8 euros que là. Allez-y, foncez. C'est trop. Ensuite, je me suis pris des chaussettes. J'ai une question, vraiment cette question, je vous la pose à tous. On achète tous des chaussettes blanches, comme ça. Je les ai payées 3 euros, donc c'est des chaussettes basiques. Est-ce que pour vous, à chaque fois vous allez dans un magasin, vous achetez des chaussettes blanches, vous perdez tous, chaque année vous achetez des chaussettes ou pas? Donc est-ce que vous perdez tous vos chaussettes blanches? Parce que moi je veux savoir, vraiment savoir, parce que à chaque fois, on achète des chaussettes. Je vous jure, c'est vrai. Chaque année, à chaque magasin, tu vas à Primark, tu achètes des chaussettes. Moi, je veux savoir pourquoi. Dites-moi, hein, tout ça en commentaire. Moi, je veux savoir. Ensuite, j'ai pris ce petit sac-là. Il y avait un orange, il y avait un noir. Donc, je l'ai payé 8 euros. Il est trop beau. J'aime trop. Ensuite, vous avez la lance juste ici. Voilà. Je vais grave faire des photos avec cet été. Je vous dirai pas la destination. C'est rose, j'ai pris la taille 39. Parce que le 40, en fait, il est vraiment trop grand. Du coup, j'ai pris 39 à 6 euros. En fait, c'est comme des converses. Mais c'est, en fait, c'est une façon converse. Donc, sur l'écran, je sais pas si vous voyez comme moi, ça fait l'effet beige jaune. Il y avait un jaune, il y avait un violet, il y avait un blanc. Il y avait des montantes comme ça. Mais je trouve les montantes pour les filles qui sont un peu petites comme moi. Moi, ça me va pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris des chemises de nuit. J'ai pris une chemise de nuit. Mickey. J'ai pris la taille L pour faire grand. Pour, ça m'arrive quand même au genou pour les vacances. Donc, j'ai pris cette chemise de nuit vert. J'aime trop. C'est Mickey. Du coup, j'ai payé combien? 7 euros. Ensuite, j'ai pris cette chemise de nuit roulée lousson. J'aime trop, c'est trop beau. Du coup, j'ai payé 7 euros aussi. Ensuite, une trousse pour mettre, une grande trousse pour mettre mes produits pour mes cheveux. Et une, dans la 3, une pour mettre mon make-up, pour mes médicaments dans la petite. Je l'ai payé 5 euros. C'est une toute petite trousse, une grande trousse, mais j'aime pas du tout la matière. On dirait genre là, ça commence à s'enlever. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Ensuite, comme ça,
en forme de croton. Je vous ai dit, les filles, qu'est-ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo? Que c'est pas parce que nous avons de gros seins qu'on peut pas porter des crop tops comme ça. Donc je me suis pris un petit crop top en blanc comme ça. J'ai payé 8 euros. C'est vrai que je dis pas les prix. Donc là aujourd'hui je vous dis tous les prix. Donc je le trouve trop beau. Ensuite j'ai pris des lunettes de soleil comme ça à 3 euros. Elles sont trop belles. T'es la star. Non, je rigole, je rigole. Ensuite, j'ai pris des chouchous à plusieurs couleurs, il y en avait plein. Je trouve ça grave à la mode, mes clans, des petits chouchous comme ça. Pour quand tu te fais des chignons ou des nattes en arrière, je les ai payés 3 euros. Ensuite, j'ai pris une petite robe comme ça pour mettre en bas de mon maillot. Juste comme ça, la taille L. Je l'ai payé 15 euros. Du coup, voilà. Si vous entendez des bruits, c'est mes frères, je suis vraiment désolée. J'ai pris un chapeau. Un chapeau pour faire la star. J'ai pris un chapeau pour quand j'aurai mes cheveux bouclés, je les lâche. Donc celle-ci, je l'ai payée 6 euros. Il y avait en noir aussi, en d'autres matières. Mais moi, j'ai voulu vraiment que ce soit en paille. À la base, je cherchais une casquette, mais je n'ai pas trouvé. Il y avait en fait soit écrit Queen, des trucs comme ça, je voulais pas. J'ai pris une batterie externe, 9 euros, parce que mes deux sont abîmés du coup, et j'ai pris un fustateur qui est à 5 euros. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris après. Je vais essayer tous les vêtements pour vous montrer porter. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars et les filles aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour m'encourager. Je vous laisse juste ici mon Insta, mon Snap, mon TikTok. Des gros bisous, à la prochaine, mes loulous.